Salut à tous, vous êtes sur xboxlive.fr, on se retrouve pour une toute petite vidéo sur la Xbox Series X dont on peut enfin partager quelques informations avec vous. Et aujourd'hui on va parler du fond d'écran dynamique. Donc comme vous le voyez, là on est sur l'interface de la console, et à l'arrière, bah, on a un fond qui bouge, qui change de couleur, qui se déplace. Voilà, donc c'est une des petites nouveautés de l'interface de la Xbox Series X. Et on peut personnaliser, du moins changer la couleur de ce fond d'écran dynamique. Donc justement, on va voir ensemble comment. Donc pour ça, vous rendez dans les paramètres. Donc là, j'ai directement les paramètres sur ma page d'accueil, mais si vous ne savez pas comment y aller, vous appuyez sur le bouton Xbox de votre manette, vous allez tout à droite sur votre pseudo, et vous faites paramètres. Là, vous arrivez dans les paramètres de la console, et donc là, vous allez dans général, personnalisation, ma couleur et mon arrière-plan. Et donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre en fond d'écran. Une couleur unie, une illustration de succès, une image personnalisée, une capture, ou l'arrière-plan dynamique qui est sélectionné justement là, en ce moment, sur ma console. Et en fait, en allant sur couleur, voilà, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Donc par exemple, bah voilà, on va prendre... on a le choix, tiens, on va prendre du orange. Allez, la couleur du Xbox Live, enfin, l'ancienne couleur du Xbox Live. Voilà, et je reviens sur la page d'accueil. Et voilà, votre fond d'écran dynamique. Il a changé de couleur, donc voilà, vous pouvez personnaliser avec la couleur que vous préférez, mettre le thème que vous préférez, et c'est aussi simple que ça, vous les retournez, hop, général, personnalisation, ma couleur, mon arrière-plan, on rechange. Moi je vous avoue que j'aime bien le petit vert par défaut, et je le retrouve. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à très bientôt sur xboxlive.fr, allez, ciao!